Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu dans les mystères, dans les relations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, les grands glorieux et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, pas sa permission, pas sa grâce, pas sa toute divine puissance. On va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 2, la gloire de l'homme est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 3, devant moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3 11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Également dans Jean 8 32, vous connaîtrez la vérité fera de vous des âmes libres. Donc ici, nous allons pénétrer dans les sphères de la haute connaissance interdite. Nous allons parler du vrai Christ, Kudumane Moula, qui est Job qui s'amène. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes dans le monde, dans la plupart des religions, les archéologues, les chercheurs, et beaucoup de personnes ont parlé de Christ. Et nous savons néanmoins, vous savez en tout cas, que le JC, Borgia, César, le Borgia qu'ils ont inventé, n'a pas existé. En tout cas, la plupart le savent maintenant. Et si on va parler du vrai Christ, déjà par rapport au titre, ça va choquer beaucoup de personnes, ça va intriguer beaucoup de personnes. D'autres personnes vont avoir un point d'interrogation pour dire, mais qu'est-ce qu'il va encore vouloir expliquer ici là? Ici, vous allez comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je dis, qui vont parler de ce Christ en disant que Christ est venu sauver l'humanité, que Dieu l'a envoyé pour qu'il meure, et que par le sacrifice de son sang versé, c'est ça qui va purifier tous les hommes de la terre, en gros, qui va sauver l'humanité. Ici, on va vous démontrer le contraire, que c'est faux, archi faux, complètement faux, et on va vous montrer des passages qui ne tiennent pas la route. Donc, l'un des plus grands passages que beaucoup de personnes ont utilisé dans les fausses églises, dans les fausses assemblées, c'est dans Jean 3,16, où il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Déjà, un, Dieu, dont Loba, le créateur unique, n'a pas de fils unique, il a plusieurs fils. Déjà, même quand vous lisez même dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 2, on vous dit dans d'autres versions, les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles. Et dans Job 1, les fils de Dieu sont venus auprès de Dieu, selon les Bibles classiques actuelles. Pour vous montrer que même cette propre Bible vous démontre que Dieu n'a pas qu'un seul fils. Bon, ici, nous allons parler, montrer que Christ, non seulement, il a le vrai Christ, je dis bien le vrai Christ Kudumane qui était noir, a existé, venu dans l'Afrique ancestrale, mais il n'est pas sorti de l'Afrique du continent noir. Il est venu uniquement pour le peuple noir à son époque. Pour cela, on va dans Marc. Chapitre 12, au verset 1, Bible en français courant, il est dit « Puis Christ se mit à leur parler en utilisant des paraboles. » Deux points. Donc, à une époque très reculée, dans l'Afrique ancestrale, Christ a commencé à avoir la conversation, il a commencé à parler, à s'exprimer sur des choses, sur des mystères de sa vie, sur les mystères de, on va dire, de sa mission. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, là, il les a parlé en parabole. Il a codé cela, son langage. Mais néanmoins, il a parlé en parabole sous forme d'image. Je dis bien sous forme d'image. C'est une sorte de comparaison en fonction de leur état de conscience des gens qui étaient en face de lui. Donc, dans Marc, chapitre 12, au verset 1, Bible en français courant, puis Christ se mit à les parler en utilisant des paraboles. Il y a deux points ici. Un homme planta une vigne, point virgule, il entoura d'un mur, creusa la roche pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde, point. Ensuite, virgule, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Donc, dans cette parabole-ci, beaucoup de personnes vont comprendre qu'on parle ici d'un propriétaire qui avait une vigne, il a planté une vigne, Il est allé en voyage. Il a néanmoins, on va dire néanmoins, laissé cette vigne là à la main de beaucoup de personnes pour déjà s'occuper de ça. Et comme ça, quand la saison va arriver, le moment où ça va mûrir, il va revenir pour que ces hommes là puissent lui donner les fruits de sa vigne, c'est-à-dire les raisins de sa vigne. Bon, maintenant, nous savons qu'il est dit dans Nombre 23, 19 que Dieu, en tout cas Loba, n'est point un homme, ni fils d'homme. Dans d'autres versions, on dit qu'il n'est pas un humain. Donc, ici, selon les biblistes, ils vont dire que Christ parlait ici de Dieu, ici-là. Mais, comme j'ai dit, c'est une parabole, c'est une image. Est-ce que vous comprenez? C'est une image, c'est en fonction de l'explication qu'il avait donnée
par rapport, ça ne veut pas dire que Christ ici comparait le Créateur à un homme, puisqu'il sait que le Créateur n'est pas un homme. Mais ici, c'est une image correspondant au visible, pour que les gens puissent comprendre ce dont il a envie de parler ici. Dans Marc, chapitre 12, au verset 2 à 3, il est dit, Bible, parole de vie. Au moment de la récolte, virgule, il envoie un serviteur vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Il y a point. Mais les vignerons prennent le serviteur et le frappaient et le renvoient sans rien lui donner. Le chef, celui qui a la vigne, a envoyé un serviteur. Un serviteur ici va représenter un torpeda mundi, c'est-à-dire un prophète, un homme de loba, dont il envoie vers le peuple. Est-ce que vous comprenez? Selon l'explication biblique ici, il envoie vers le peuple d'aller chercher, on va dire, son raisin. Le raisin va symboliser quoi ici? Ça va symboliser les fruits. Est-ce que vous comprenez? Non seulement les fruits, et aussi d'autres personnes dont on les lègue le troupeau. On va les léguer le troupeau à ces gens. Maintenant, le troupeau, on doit élever le troupeau pour qu'il atteigne la maturité spirituelle. Et là, maintenant, on doit venir recueillir ces gens-là pour les ramener. Et quand on envoie un serviteur, c'est-à-dire un prophète, on envoie un saint, les ouvriers l'attrapent. En gros, ici, on vous dit que les ouvriers l'ont renvoyé. Au moment de la récolte, il envoie un serviteur vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons le prennent le serviteur, ils le frappaient et le renvoient sans rien lui donner. Donc ils ont attrapé, ils l'ont frappé, ils l'ont renvoyé. Marc chapitre 12, au verset 4 à 5. Bible du semeur, il dit, « Alors le propriétaire les envoie un deuxième serviteur, celui-là, virgule, il le frappait à la tête et le couvrir d'insultes. » Donc on a envoyé un deuxième, mais on l'attrape, on l'a saisi, on l'a frappé à la tête. On l'a frappé à la tête et on l'a couvert d'insultes, donc on l'a insulté et on l'a renvoyé. Le maître leur en envoya un troisième, virgule, et celui-là, il le tuait. Il le tuait, puis beaucoup d'autres, et ils battirent les uns et tuaient les autres. Ils ont bâti les uns et tué les autres. C'est pour cela que vous voyez, même quand vous lisez dans la Bible actuelle classique, dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, vous voyez qu'on a envoyé des prophètes, on a envoyé des saints, on a envoyé des messagers, le peuple ne comprenait pas, le peuple frappait les autres, ainsi de suite. Donc, il est en train d'expliquer ici, de raconter cette histoire. Dans Marc, chapitre 12, au verset 6, dans la traduction Abbé Crampon, il dit, il y avait encore quelqu'un, virgule, un fils bien-aimé, deux points, il envoya vers eux. Le dernier, virgule, disant, deux points, ils auront égard à mon fils. Ils auront égard à mon fils. Donc ici, là, on va décortiquer le vrai et le faux ici. Donc, parce que dans cette version, dans ce passage, on va essayer de vous expliquer qu'il a envoyé son fils unique. Or, nous savons qu'il n'y a pas le fils unique. Il y a le fils premier-né, il y a le deuxième-né, ainsi de suite. Voilà. Donc, néanmoins, il envoie le premier-né. Donc, il envoie le fils. Il dit, au moins lui, ils auront égard à sa personne. Comment les vignerons vont savoir que lui, c'est le fils qui arrive? Comment ils vont savoir que c'est le fils qui est là, qui est entre deux? C'est-à-dire que voici l'héritier, on va dire cela, selon la version classique actuelle. Comment ils seront? Est-ce que sur son front, ça va être marqué que c'est lui qui est l'héritier? Est-ce qu'il va porter les habits comme un héritier, les habits d'héritier? Non. Vu que quand vous lisez dans Philippiens 2, 5 à 9, il est dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Dieu, qui savait lequel existait en condition divine, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égard à la divinité, mais s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant parlé comme un simple homme, et s'est humilié lui-même. Donc il vient en tant qu'homme simple parmi le peuple. Et comment on va reconnaître que c'est lui l'héritier? Comment on va reconnaître qu'il est le fils? Par les actes qu'il va accomplir, par les paroles, par les prodiges, par sa nature, par ce qu'il va faire,
Parce que Nicodème, quand il est venu voir Dieu qui savait, le soir, dans le deuxième chemin, il a dit, Rabbi, Mouledi, nous savons, quand il dit nous, c'est ça, on s'est vignerons là. Il dit nous, ce sont ces gens-là. Il dit nous, le Sanhédrin qui est le tribunal religieux, mais dans les sociétés secrètes, il savait que voilà le fils, car nous savons que personne ne peut faire ces choses si ce n'est l'Oba qui est avec lui. Mais néanmoins, ils ont su, parce que les prophètes ont prophétisé sur ce fils-là qui devait venir, en gros sur l'un des fils, ils ont prophétisé, j'avais déjà démontré aussi. Il y a deux fils. Mais néanmoins, le premier devait d'abord se manifester dans le visible. Donc en venant, on vous dit que le propriétaire, le fils, le père du fils dit, au moins celui-là, ils vont le reconnaître, ils sauront que c'est le fils, et ils ne vont pas faire n'importe quoi, ils vont forcément l'obéir. Ceci, on vous montre par cette parabole que le Christ est en train de dire que l'Oba, que le Créateur, ne l'a pas envoyé pour qu'il meure. Est-ce que vous comprenez? On ne l'a pas envoyé pour se sacrifier, pour qu'il verse le sang et pour sauver l'humanité. Ça n'a rien à voir avec Jean 3, 11. Ouais, plutôt dans Jean 3, 16, nous disons Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a vie éternelle. Ça, c'est faux. Or, dans la parabole ici, dans Marc 12, Christ explique clairement que on l'a envoyé en tant que Fils pour récupérer les raisins. Et la condition maintenant, c'est quoi? Celui qui l'envoie dit, au moins quand ils le verront, ils ne vont pas le toucher. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ne vont pas le frapper. Ils ne vont pas le tuer comme on a tué les autres serviteurs qu'on a envoyés avant le Fils, dans le visible. Parce que c'est le Fils, ils vont reconnaître que c'est le Fils dont ils auront le respect pour lui. Ils auront le respect pour son statut. Ils auront le respect pour sa fonction. Déjà, Christ montre par là que Dieu ne l'a pas envoyé, en tout cas l'Oba ne l'a pas envoyé pour qu'il meure. Dans les autres passages où on va dire que Paul et son père a dit qu'on l'a envoyé pour mourir, qu'on l'a envoyé pour ceci, que même, on dit encore que le même Christ a dit toujours dans l'évangile de Jean que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me le lote. Je la donne de moi-même car j'ai le pouvoir de le donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. Ça, c'est faux. L'Oba n'a pas envoyé Koudoumane pour qu'il meure. Parce que l'Oba n'envoie pas le juste mourir. On n'envoie pas le juste au suicide. En tout cas, le vrai créateur. Donc ici, dans Marc chapitre 12, au verset 6, traduction Abbé Crampon, il le dit. Il y avait encore quelqu'un, un fils bien-aimé, il envoya vers eux le dernier, on sait que ce n'est pas le dernier, disant deux points. Ils auront égard à mon fils. Dans Matthieu chapitre 21, verset 37 à 40, Bible du Sommeil le dit. Finalement, virgule, il leur envoie son propre fils en disant deux points. Pour mon fils au moins, virgule, ils auront du respect. Ils auront du respect. Ça veut dire quoi? Quand on a le respect, pour quelqu'un, on ne frappe pas la personne. On n'insulte pas la personne. On ne tue pas la personne. Donc, Christ n'a pas été envoyé pour mourir. Et je poursuis. Mais, dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se disent en eux-mêmes, entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le, et nous récupérerons son héritage. Ils se jetaient donc sur lui, le traînaient hors du vignoble et le tuaient. Et le tuer. Le vignoble ici, c'est quoi? Vous devez comprendre une chose. Que l'Oba est le maître du temps et des circonstances. Je dis bien le maître du temps et des circonstances. Dans le vigneron, ça correspond quoi? C'est qu'il y a la vigne. Donc, ça fait partie du peuple. On vous montre ici, écoutez attentivement la révélation. Écoutez attentivement la révélation. Donc, il se jetait sur lui, virgule, le traînait hors du vignoble, et le tuait, point.
On vous montre ici que Christ n'est pas mort devant le peuple, puisqu'on l'a écarté hors du peuple. C'est dans le vignoble où il y a la vigne, le vignoble, ainsi de suite. Donc, quand dans les fausses bibles où c'est écrit que Christ était sur la croix, il y avait un brigand à gauche, à droite, il y avait sa mère là, il y avait beaucoup de personnes. Faites attention, je dis que ça c'est faux. Ça c'est faux. Selon la vraie version authentique, c'est faux. Et même ici, dans les bibles classiques actuelles, le démontre ici. Puis il a fallu qu'on le sorte d'abord. Il a fallu qu'on le sorte d'abord, voyez, hors du vignoble. Et si vous voulez comprendre, ce sont les blancs et les sangs mêlés qui ont tué le Christ. Mais ils l'ont tué comment? Ils ont eu le pouvoir pour le tuer comment? Mais ça, je ferai une vidéo sur ça si l'on le permet. Donc, quand on dit que ce sont ses propres frères qui l'ont tué, je dis que c'est faux. C'est faux. Puisqu'on le démontre ici dans la parabole que ce n'est pas ça. Donc, ils se jetaient donc sur lui, le traînaient hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ces vignerons? Vous devez comprendre ici que c'est les faux vignerons, ce sont les usurpateurs, ce sont les pharisiens, ce sont les scribes non noirs. Actes des apôtres, chapitre 3, versets 13 à 14. Bible parole de vie le dit. Loba de Sango, c'est-à-dire d'Abraham, d'Isaac, donc de Yololo, et de Tindi, donc Jacob, Loba de nos ancêtres, a donné la gloire à son serviteur Christ, donc Koudoumané. Et maintenant, c'est là qu'on parle ici. Vous l'avez livré. Vous l'avez rejeté devant Pilate. Point. Pourtant, celui-ci avait décidé de le libérer. Point. Vous avez rejeté, je répète, vous avez rejeté celui qui est saint et juste et vous avez demandé que Pilate vous livre un assassin. Écoutez encore une autre révélation ici. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15, Bible de la liturgie, il est dit: vous avez tué le prince de la vie. Dans notre version, on dit l'auteur de la vie. Depuis quand on va tuer l'auteur de la vie? Si tu es l'auteur de la vie, on ne va pas te tuer. N'importe quoi. Bon, vous avez tué le prince de la vie, virgule. Lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 17. Bible, parole de vie, il est dit: pourtant, virgule, frère, je le sais bien, vous et vos chefs, virgule, vous avez agi de cette façon parce que vous ne saviez pas la vérité. Bible en français courant. Cependant, frère, je sais bien que vous et vos chefs aviez agi par ignorance à l'égard de Christ. Point. Donc, vous voyez, ça, c'est du n'importe quoi. Pourquoi c'est du n'importe quoi? L'apôtre dit ici, on vous dit ici en tout cas, que ces gens qui ont tué le Christ, ils n'ont tué pas ignorance. Parce qu'ils ne savaient pas qui était le Christ. Ils n'ont tué pas ignorance. Comment se fait-il qu'on vous, que les gens qui n'ont pas de substance spirituelle, et mal écrit aussi, on vous fait croire que, soi-disant, le Créateur a envoyé le Christ pour que le Christ meure et que pendant sa mort, son sang versé, ça va purifier l'homme, en gros, ça va purifier l'humanité pour tous ceux qui vont l'accepter. Bon, si on envoie se suicider, donc on l'envoie mourir, mais ceux qui vont le tuer, ce n'est pas un crime qu'ils commettent, vu qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Puisqu'ils devaient mourir, maintenant vous allez sortir, non, le Fils de l'homme va être livré, tout ça là, non, qui en gros, il doit être livré. Mais malheur par celui à qui livre le Christ. Mais non. S'il est venu pour mourir, il ne va pas se pendre lui-même. Il ne va pas tomber lui-même de la falaise. Forcément, il va falloir qu'il y ait des gens qui puissent le tuer. Et maintenant, si ces gens le tuent, et les gens qui ont approuvé sa mort, pourquoi on va les condamner?
vu que c'est déjà une prophétie, vu que c'est une mission, il devait venir mourir dans la main des gens pour pouvoir sauver soi-disant l'humanité. Donc pourquoi on condamne encore ces gens qui l'ont tué? Est-ce que ces gens avaient le choix? Cela vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis là pour rétablir tout ce que Koudoumané, le vrai Christ, a enseigné, a apporté. Et je suis cette porte. Nul ne vient à l'Oba sans passer par celui qui est en face de vous. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 18, Bible seconde 21, il dit: mais Dieu a ainsi accompli ce qui avait été annoncé par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devrait souffrir. Mais ça c'est faux, vu que quand Christ a donné la parabole, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on envoie lui le Fils, et en tant que Fils, ils auront le respect pour lui, et non pour qu'il aille souffrir. Vous voyez un peu? Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, traduction du Monde Nouveau: repentez-vous donc et retournez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des époques de rafraîchissement viennent d'auprès de la personne de Jéhovah. Mais comment on accuse les gens d'avoir tué le Christ, hein? Ou bien eux, ils ont participé avec les chefs. On dit: vous avez commis un grand crime, vous avez tué le prince de la vie. Donc repentez-vous de l'acte que vous avez fait. Mais ils doivent se repentir, pourquoi? Si c'était d'être décrété soi-disant dans votre faux royaume des cieux, votre faux Dieu avait d'être décrété que J.C. devait mourir par la main des hommes, et que par ce moyen-là, il va sauver l'humanité. Pourquoi ceux qui l'ont tué, on les condamne? Vu que eux, c'était des pions. Si c'était des pions, pourquoi on va condamner les pions? Les pions, on les a enlevés les libres arbitres, on les a enlevés les choix, on les a même pas donné le choix. Pourquoi on doit les condamner? Vous voyez que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que le vrai Christ n'est pas venu pour mourir. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas venu pour mourir. Il n'est pas venu donner sa vie pour que le sang se verse. C'est étant sur la terre. Je dis bien, c'est étant sur la terre. Quand il s'est sacrifié, ça je ferai une vidéo plus tard, si le bas le permet, pour mieux vous expliquer. Bon, dans Actes des Apôtres, plutôt dans Jean 3,16, quand Dieu dit qu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ça c'est faux. Ça c'est faux, puisqu'on dit afin que quiconque, le mot quiconque ne doit pas apparaître là-dedans. Quand on dit quiconque, c'est tout le monde, c'est n'importe qui. Et ça, c'est faux. On va prendre l'une des versions, un peu mieux traduite pour un petit passage, pour un petit mot, mais le reste est faux. Toujours dans cette version-là. Dans la traduction œcuménique de la Bible, il est dit: Dieu, en effet, a tant aimé le monde. Ça, c'est faux. Puisque la même Bible dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui a l'amour du monde, qui aime les choses du monde et le monde, est une amitié contre Dieu, c'est-à-dire n'a pas d'amour, en gros, est contre Dieu. Pourquoi maintenant on va dire que Dieu aime le monde? Mais là, on dépend de quel monde. Vous avez dit, c'est lui qui a créé son monde, donc il aime son monde. Mais bon, Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils, virgule, son unique. Ça, c'est faux. Tout ça, ce passage-là, c'est faux. Maintenant, ce qui va vous intéresser dans ce passage-ci, dans traduction œcuménique de la Bible, dans Jean 3,16, c'est: pour que tout homme, quand on dit tout homme ici, c'est tout noir. C'est tout homme noir. Parce que le premier homme, c'est un noir. Et on l'appelait homme, moto. C'est moto. Afin que tout homme, donc tout moto, qui croit en lui, ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Mais quand on dit quiconque, c'est faux. Tout homme, oui. Parce que l'homme noir, c'est l'homme. Et là, on va encore vous expliquer pourquoi. Christ lui-même a sorti ça. Vous allez dire que Zola est raciste. Christ aussi est raciste. On poursuit. Dans Matthieu, chapitre 15, au verset 24, il est dit, dans la traduction Edmond Staffer:
Alors il prit la parole, deux points. C'est seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël que j'ai été envoyé. Point. Christ dit ici qu'il a été envoyé uniquement chez les brebis, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand on dit le brebis perdu de la maison d'Israël, même ici, c'est mal traduit. C'est uniquement au peuple noir qu'il est envoyé. Ça, c'est la bonne version qui dit uniquement au peuple noir qu'il est envoyé. Uniquement. Parce que quand vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 11, il est dit, elle est venue chez les siens. Donc, le verbe est venu chez les siens. Elle est venue chez les siens. Les siens, c'est qui? Elle est venue chez les siens. Et dans la suite, on dit, et les siens ne l'ont point reçu. Ça, c'est faux. Si les siens ne l'avaient pas reçu, Christ n'aurait même pas pu avoir les apôtres, vu que les apôtres font partie des saints. Il y a beaucoup de ceux parmi le peuple à son époque, du vrai Christin, qui l'ont suivi. Ce sont les non-connus qui l'ont refusé. Donc, il dit ici, c'est seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël que j'ai été envoyé. Donc, c'est seulement au peuple noir que Christ a été envoyé à son époque. Bible, parole de vie. Christ répond, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Bible du semeur, ce à quoi il répondit, deux points, ma mission se limita aux brebis perdues du peuple d'Israël, donc au peuple noir. Et dans la suite, vous allez lire la suite plus tard, la femme l'a essayé de dire, parce que Christ, bon, dans la suite, déjà la suite est faux. La suite c'est faux. Parce que Christ ne va pas désobéir à celui qui l'a envoyé. Puis on lui dit quoi? Il lui met une sorte de sa bouche ici que sa mission, c'est-à-dire ça s'arrête, c'est limité uniquement au peuple noir. Donc sa mission, ça s'arrête là. Ça veut dire que s'il accorde la guérison à une autre personne qui n'est pas parmi du peuple noir connu, il désobéit déjà. Puisqu'on lui a donné des recommandations, sa mission devait s'arrêter là. Donc s'il fait le zèle, il va plus loin parce qu'il a la compassion, tout ça. C'est fini. Il pêche. Donc quand on dit plus tard que non, il n'est pas bien qu'on prenne le pain des enfants pour donner aux chiens. Il dit oui, mais les chiens mangent sur la table des enfants. Des enfants. On dit, ah, ta foi, elle est grande et tout ça, là, ton enfant. Mais ça, c'est faux. En tout cas, la vraie version authentique parle de cette histoire. Donc, ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 26, aussi est faux. Pourquoi? Il est dit, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Là, c'est faux. Pourquoi? Ce qui est faux là, c'est premièrement. Le mot premièrement doit sortir de là. Parce qu'il n'y a pas deuxièmement. Le deuxièmement, c'est le deuxième qui est en face de vous. Donc, on ne doit pas dire premièrement. Donc, ici, on doit dire, c'est à vous que l'Oba, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'était à son époque. C'était à son époque. Vous allez me dire que oui, la Bible dit que Christ a dit à ses disciples, allez, faites des nations mes disciples. On s'adressait aux nations noires, au temps des apôtres. Puisqu'il avait donc prophétisé la venue d'une autre personne qui allait venir en cette époque, qui est en face de vous. Et celui qui est en face de vous a les pleins pouvoirs. Et lui, sa mission n'est pas limitée uniquement au peuple noir. C'est limité à toute personne, à toute race qui vont accepter, c'est-à-dire toute race qui va accepter la vérité authentique, originelle, qui aime et pratique la justice. C'est ainsi. Donc ici, dans Jean chapitre 1, au verset 29, aussi est faux. Pourquoi? Par rapport à une phrase. Dans Jean 1, 29, est faux, est mal traduit par rapport à une phrase. Quand John Guanais, c'est-à-dire Jean le Baptiste, le lendemain, Jean voit Christ
qui vient à lui et lui dit. Et il dit, deux points, voici l'agneau de Dieu, virgule, celui qui enlève le péché du monde. Celui qui enlève le péché du monde. Donc, les gens vont dire, ah, vous voyez, il enlève le péché de l'humanité. Non, Jean, John Wanner, qui était éclairé, il n'allait pas sortir ce genre de paroles. En tout cas, ici, quand on dit le monde, maintenant, vous devez comprendre ici, même s'il dit le monde, il va dire le monde en pensant au peuple noir. Mais vous, quand on va dire le monde, vous allez penser à tout le monde. Non. Pourquoi? Parce qu'on va dans la Bible Chouraki, il est dit. Le lendemain, virgule, il regarde Christ venant à lui et dit, deux points, voici l'agneau d'Elohim. Mais on sait qu'Elohim, c'est faux. Voici l'agneau de Loba qui enlève la faute de l'univers. Point. Qui enlève la faute de l'univers. Vous allez me dire, mais comment on va enlever la faute de l'univers? Est-ce que l'univers pêche? Est-ce que l'univers a péché? Dans la Bible Chouraki, vous allez comprendre qu'il y a un mystère quand on dit l'univers. Pourquoi le mot univers et non le monde apparaît? Tout simplement parce que quand vous lisez dans Cosmogonie, chapitre 1, verset 27, dans la traduction Fab Olivette, il est dit, et lui, virgule, l'être des êtres avait créer l'existence potentielle de Moto. L'homme universel. Vous voyez? L'homme universel. Parce que dans la Bible Chouraki, dans Jean 1, 29, quand on dit enlever la faute de l'univers, cet univers-là, c'est l'homme universel. Ça, c'est la révélation, cet univers, parce que l'univers ne pêche pas. Donc, il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Le vrai Christ était noir. Les apôtres, les prophètes, les patriarches, eux tous, ils étaient des noirs. Et tous les prophètes qu'on a envoyés, on les a envoyés uniquement pour le peuple noir. Ainsi de suite. Les apôtres, on va parler de Paul, que Paul était en Italie, il était là, là, c'est faux. Ils sont restés tous en Afrique. Ils ne sont pas sortis de là-bas. La version authentique le dit. Ils ne sont pas sortis de là-bas. Puisque quand vous lisez, même les écrits, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, on voit bien que ce sont des récits africains. Maintenant, Loba manifeste la justice. Donc le deuxième fils, quand il est là, il ouvre les bras. Maintenant, c'est quiconque vient en lui, mais la condition, c'est d'écouter la parole, d'accepter et d'appliquer. Loba s'est encore glorifié.